au river. Alors aujourd'hui, on est chaussée de Vlorgat et on va découvrir un petit resto ici, dans le coin, qui s'appelle Café. C'est parti! T'as fait la fête hier soir? Même pas. Mais non, on n'est pas tout blanc, regarde, on est tout beau, regarde. C'est une belle lumière orange là. Bon, Dichun, alors t'as voulu m'emmener ici, ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle le Café, j'espère que je le prononce bien. Bon, en fait, on est venu pour un brunch, hein, c'est ça? Voilà, on est venu pour un brunch et en fait, j'aime bien le concept parce que c'est un peu un café où il y a toutes sortes de cafés, des thés lattés, des cafés un peu améliorés, des bons baristas qui nous préparent ça. Et en même temps, il y a des plats qui sont un peu d'inspiration asiatique et qui tournent autour du brunch. Donc des pancakes, des acai bowls qui est la grosse tendance du moment, des pains perdus et voilà. Génial. Et quoi? Donc ici en brunch, on a quoi là? Je vois que kimchi sandwich, grilled cheese, kimchi et salade. Alors celui-là, je ne l'ai pas goûté, mais le kimchi, c'est donc du chou fermenté qui est typiquement de la cuisine coréenne. Et donc c'est un chou assez piquant. Et donc à mon avis, ça doit être sympa avec le fromage fondu qui doit un peu adoucir le côté piquant et puis le côté sandwich qui est bien gourmand. Et pour l'instant, ce qu'on vend le mieux, je dirais que c'est le gannam. Donc c'est du bœuf mariné à la coréenne avec du bulgogi du coup. Ça vient avec du riz, du cheddar, des oignons, donc du bœuf mariné et des tomates. Ça sonne bien. Yam, c'est bon ça. Waouh, top! Alors, dans le brunch, tu as un plat au choix à la carte. Je pense qu'il y a 4-5 plats qui sont proposés pour le week-end. Et alors, tu as un smoothie, soit au pitaya, qui est un fruit typiquement thaïlandais, si je ne me trompe pas, et l'açaï, qui est un fruit brésilien. Enfin, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ça. Il faudrait que je vérifie sur Wikipédia. L'açaï, qui est un super aliment, donc plein d'antioxydants. Et donc, ils l'ont fait en version smoothie, mais ils ont rajouté aussi un peu de céréales et de fruits frais. Donc, voilà. Avant qu'on mange, dis-moi un peu, pourquoi tu as voulu m'emmener ici? Alors, moi, j'aime bien le concept parce que c'est très moderne. C'est les nouvelles cantines qu'on a maintenant à Bruxelles, donc une carte limitée. Avec un concept bien défini. J'aime bien l'endroit parce qu'il est ouvert toute la journée, donc tu peux venir pour un café, un dessert ou bien manger tard. Et en même temps, les plats sont bien préparés, sont généreux et il y a une petite touche de modernité, je trouve. La cuisine fusion qui est un peu plus abordable que dans les grands restaurants. Voilà. Ça, c'est une belle explication en tout cas. Bon, ben, on va manger, on attaque. Hein. Allez! Ça a l'air très très bon. Délicieux. C'est des fluffy pancakes. C'est un concept qui vient du Japon. Des pancakes qui sont un petit peu plus aériens, donc un peu plus épais aussi. Et là, on essaie de travailler en fait des déclinaisons pour un petit peu changer aussi. Là, on a travaillé par exemple une crème à base de tiramisu et du spéculoos. Donc maintenant, on va goûter ces pancakes à la japonaise avec tiramisu et spéculoos. Très bon, mais vraiment parce que ce que j'aime pas d'habitude dans le pancake, c'est que je trouve quand même que malgré le fait que ce soit onctueux, c'est un peu sec. Et ici, vraiment, l'intérieur est crémeux et vraiment fondant, je sais pas. Donc on voit vraiment que la structure est complètement mousseuse. Et avec le tiramisu et le spéculoos qui rajoute un peu de croquant, c'est juste topissime. Et alors c'est une histoire de famille ici, non? Exactement, on a ouvert le cup à la base il y a un peu plus de 2 ans. Le cup 28, hein. C'est ça, j'aurais dû venir le nom complet. Donc le cup 28, on a ouvert un peu plus de 2 ans. Et maintenant, ça fait 3 mois qu'on a ouvert ici. Je fais ça avec ma sœur et mon petit frère, du coup. C'est qui le boss? Hein? C'est qui le chef ici? C'est la grande sœur, quand même. C'est vrai. De l'interne, c'est plus moi qui gère aussi. Mais bon, voilà, on se départage quand même bien les tâches, mine de rien. Et dis-moi, pourquoi café? Un café, c'est la phonétique en chinois pour le café, du coup. Donc assez simplement, hein.